Pour cette longue après-midi, elle va paraître courte, rassurez-vous. Cet après-midi de quatre conférences organisées par Greenpeace, Greenpeace local et Greenpeace France, et par l'association Arbres et Paysages d'OTAN. Alors, Greenpeace France, je vais laisser Betty la présenter. Bonjour, Betty Gagneux, donc militante Greenpeace au groupe local Toulouse. Alors, désolée pour ceux qui étaient là samedi dernier, puisqu'effectivement, je vais prendre rapidement le temps de vous présenter Greenpeace. Greenpeace international, donc 55 pays représentés sur tous les continents. Greenpeace France, avec un directeur général, Jean-François Julliard. Qui est journaliste et qui était ancien directeur de Reporters sans frontières. Greenpeace, effectivement, c'est une association loi 1901, qui est une association qui est indépendante, donc avec des financements uniquement des adhésions et des dons. Greenpeace, c'est une association apolitique, non violente, mais c'est un groupe de pression. Qui a pour objectif de dénoncer vraiment les atteintes qui sont faites à l'environnement et d'en trouver, au-delà de les dénoncer, des solutions pour les protéger. Alors, toute cette machine et cette organisation repose sur une petite centaine de salariés, mais sur énormément de bénévoles. 26 000 bénévoles, dont nous faisons partie. Là, nous sommes un groupe sur Toulouse. Ce qui est important, c'est de relayer tout ce qui sont les enjeux nationaux, internationaux autour du climat. Et c'est fait par le biais de chantiers ou de campagnes, puisque nous parlons de campagnes. Alors, tout ce qui est autour de l'océan, du pétrole et des transports, tout ce qui est autour du climat, du nucléaire et de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation, et des forêts. Alors, effectivement, ces campagnes, souvent, sont interdépendantes, parce que vous comprenez bien que déforestation, rythme avec huile de palme, rythme avec soja, rythme avec, donc alimentation, agriculture. Voilà, donc on est souvent en interaction ensemble militant. Donc, le groupe local Toulouse relaye toutes ces actions et ces activités à dimension nationale ou internationale. Il y a 2 ans, au niveau de la forêt, on avait mené une action importante pour dénoncer l'huile de palme dans les gâteaux. Voilà, il y avait eu une grosse action, et c'était une action internationale, donc c'est intéressant d'avoir cette portée-là aussi. L'actualité nous amène vers des actions liées maintenant au soja et à la déforestation. Vous allez sûrement en entendre parler dans les mois qui vont venir. Voilà. Ça n'empêche pas qu'au niveau local, nous ayons aussi une dynamique liée à notre contexte territorial. Pour soutenir des associations d'habitants, de citoyens qui voient leurs espaces verts être mis à mal, des arbres tomber, sans vraiment avoir d'argument, si ce n'est celui de l'urbanisme. Donc on peut soutenir aussi ces associations. Et puis il y a cette série de conférences que l'on a mis en place là, depuis le 1er décembre. Mais je vais laisser Philippe développer là-dessus. Alors, Greenpeace et l'association Arbres et Paysages d'OTAN avons décidé donc de faire une série de conférences. On a démarré au 1er décembre. La semaine dernière, il y a eu Francis Allais qui est intervenu aussi. On a cet après-midi. Et on a aussi le 13 juin avec Francis Allais qui reviendra là pour parler de la forêt et non plus des arbres. Vous allez me dire, c'est la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je voulais vous dire aussi que... Alors, pourquoi ces conférences? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une énorme méconnaissance des arbres, de leur fonctionnement et de l'intérêt de les préserver. Il ne suffit pas de planter, il faut aussi préserver les arbres les plus vieux. Et cette connaissance-là, on a décidé donc d'aller chercher les spécialistes, donc ceux qui seront là cet après-midi, pour vous expliquer plus en détail en quoi les arbres sont nécessaires pour préserver notre vie. Je voulais vous dire aussi que la séance, toutes les conférences seraient enregistrées cet après-midi. Vous pouvez dès mardi
retrouver toute la conférence sur le site de la médiathèque et un peu plus tard sur le site de Greenpeace aussi. Comment va se passer notre après-midi ? Je suis Xavier Fouchard, donc je suis aussi membre du groupe local Greenpeace de Toulouse. Et donc je suis heureux d'accueillir nos quatre conférenciers qui ont toutes la même passion, celle des arbres. Et ils vont nous en parler chacun à leur manière. Donc d'abord Christophe Drenou. Alors Christophe Drenou, il est docteur et ingénieur à l'Institut de développement forestier. Il va nous parler de la temporalité des arbres. Ensuite interviendra Alain Pontopidan, qui est arboriste. Il est aussi poète en son temps. Il nous sensibilisera sur la cause commune que nous partageons avec les arbres. Un peu plus tard, il y aura Thomas Braille, qui est un ardent défenseur des arbres. Il va nous parler de son combat pour défendre à sa manière les arbres. C'est intéressant, là aussi. Et enfin, Janine Cransac, qui fait partie de l'association Arbres et paysages d'OTAN. Elle va nous parler des arbres autour de nous, qui sont remarquables sous bien des points de vue. Voilà. Alors avant de passer la parole à Christophe Drenou, je voudrais dire qu'à chaque fin de conférence, on va consacrer 10 à 20 minutes à des questions-réponses. Voilà. Janine, merci. Janine va nous présenter brièvement l'association Arbres et paysages d'OTAN. Pardon. Je voulais remercier aussi la médiathèque qui nous a ouvert ses portes gracieusement. Et c'était vraiment très sympa. Bonsoir à tous. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'association. Mais je vais, pour les autres, je vais rapidement vous dire ce qui se passe à l'association. C'est une association loi 1901, comme Greenpeace, mais elle n'a que 25 ans. Et il y a 7 salariés. Il y a à peu près 550 adhérents par an. Depuis le début, il y en a voire différents dans les 3 ou 4 000. Son rôle, c'est de faire la promotion des arbres de pays pour l'environnement, pour l'intérêt de tout le monde. Donc, chaque année, ils aident à la plantation de 25 000 arbres. Et ce sont des jeunes plants. Et ces arbres sont suivis. C'est-à-dire que on va chez le propriétaire pour qu'il choisisse ses essences, mais surtout l'aider à préparer le terrain. Et ensuite, il y a un suivi pendant 3 ans. Donc, il n'y a pratiquement pas de perte. Enfin, c'est de l'ordre de entre 2 et 4% selon les années. Ensuite, ils font des formations, énormément de formations qui ont beaucoup de succès. Elles sont toujours pleines avec Christophe Drenou, avec Alain Pontopidan, enfin, plein de scientifiques qui viennent nous faire ces formations. Ils interviennent aussi, on intervient aussi dans les écoles. Et on a pensé que, enfin depuis toujours, on pense que le plus important, c'est aussi de garder les vieux arbres. C'est pour ça qu'on a créé une commission des arbres remarquables. Et on est allé sur le terrain pendant 6 ans, avec Christophe, entre autres, avec des gens qui sont ici, enfin des membres qui sont ici. Donc on est allé et on a repéré 250 arbres. Sur ces 250 arbres, on en a pris 120. D'abord, on en a pris 50 pour faire des panneaux. Donc, vous avez là un panneau et on en a 20 comme ça qui vous expliquent tout le côté scientifique. Le lien, c'est la biodiversité parce que c'est très important. L'histoire de l'arbre. Et cette expo a eu tellement de succès qu'on nous a demandé de faire un livre. Et donc, on a fait un livre où il y a ces 120 arbres. Il sera sur une table si vous le souhaitez. Et vous pouvez aller les voir. Il y a l'histoire de l'arbre, l'histoire des propriétaires et l'histoire et quelques éléments scientifiques qui peuvent vous intéresser. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'association Arbres et Paysages d'OTAN est à la présidence d'un groupe d'associations des départements voisins. Donc tous les départements de la région Midi-Pyrénées se sont regroupés, ont créé une association qui s'appelle la FAC, où ils font des actions extrêmement importantes. Et cette association de la FAC est reliée à la FAC nationale. Voilà. Mais de toute façon, vous pourrez après poser toutes les questions que vous voulez.
Merci beaucoup. On va laisser la parole à Christophe Drenou. Si parmi vous, dans la salle, il y a des personnes qui sont dans des collectifs de défense d'arbres ou autres, ça serait bien de vous signaler. Bon, on sait qu'il y a de plus en plus de difficultés sur ces questions-là et on essaye de répertorier quels sont les combats qui sont menés par vous actuellement. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie Greenpeace de m'avoir invité cet après-midi. Ma présentation s'appelle le temps des arbres. Alors pourquoi un tel titre? Il me semble que c'est d'ailleurs un titre d'un documentaire qui est passé cette semaine à la télévision. Vous avez peut-être vu Le temps des arbres. C'est un titre qu'on voit souvent. Effectivement, il me semble que le temps des arbres est arrivé et il suffit pour s'en rendre compte de écouter les déclarations de nos responsables scientifiques, nos responsables politiques, pas scientifiques, lapsus révélateur. Par exemple, notre présidente de l'Occitanie, la région, s'engage à planter un arbre par lycéen, soit plus de 230 000 arbres sur l'ensemble du territoire, avec un souci pédagogique de sensibilisation pour associer les lycéens à ce programme. Le maire de Tours, c'est un autre exemple, revient à cette tradition de planter un arbre pour tout enfant né domicilié à Tours et pour tout mariage célébré à Tours, en planter deux. Et puis notre maire de Toulouse s'est lancé dans une ambition de 100 000 arbres plantés d'ici 2030. On pourrait multiplier les exemples. À Paris, ils ont aussi un objectif très ambitieux, etc. Donc, il faut s'attendre, dans un avenir proche, surtout après les municipales, à une multiplication des plantations autour de nous. Voilà le genre de paysage qu'on va bientôt avoir autour de nous. Beaucoup de plantations, beaucoup d'arbres, beaucoup de chlorophylle. Alors, tout ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien dans le sens où ça reflète sans doute une prise de conscience collective qui est celle de l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons. Mais en ce qui concerne les arbres, la notion d'urgence se heurte à une vérité biologique incontournable qui est le temps long des arbres. Urgence est temps long des arbres. Le temps des arbres est long. On sait qu'un arbre vit longtemps. Mais cette dimension du temps, elle est difficile à comprendre, je m'en rends compte tous les jours. C'est encore une notion très abstraite. Alors pour essayer d'illustrer cette notion, je vous propose là, dans les diapos qui vont suivre, de vous montrer le déroulement au cours du temps, étape par étape, d'un événement, d'un unique événement qui s'est produit au cours de la vie d'un arbre. Un événement isolé. Cet événement, c'est une mise en lumière brutale sur un arbre qui, avant, s'est développé en contexte forestier. C'est un événement qui n'est pas rare, puisque avec l'étalement urbain, les zones boisées ne sont pas toutes détruites. On garde des arbres qui se sont développés en milieu forestier, puisqu'ils se retrouvent exposés brutalement à beaucoup de lumière. Voilà l'événement en question. Et puis l'arbre, il s'agit d'un chêne, qui se trouve dans la campagne anglaise. Alors la première photo, elle est un peu petite parce qu'il va y avoir toute une série de photos à droite. La première photo, bon, ça date de 1906, donc c'est pas très net. On peut dire pas mal de choses. D'abord, c'est un arbre qui n'a pas fini son développement. C'est un arbre, on va dire, adulte. Le contour du houppier est compact, il n'est pas morcelé. On pourrait apporter d'autres détails qui font qu'on peut dire que c'est un arbre adulte, qui a un potentiel de développement très important, qui a une espérance de vie très longue aussi. Deuxième chose qu'on peut dire rien qu'en regardant cette image, c'est qu'effectivement, c'est un arbre qui a un port forestier. Il a mis en place un tronc très haut parce qu'il y avait de la concurrence pour la lumière dans l'ambiance forestière dans laquelle il se trouvait. Donc un arbre forestier, un arbre adulte, et puis un arbre qui se trouve donc brutalement mis à la lumière. Alors généralement,
lorsque l'arbre est mis brutalement à la lumière, il y a deux choses qui se passent de façon simultanée. Il va arrêter de pousser en hauteur, il n'y a plus besoin d'aller chercher la lumière, et il va explorer la lumière qui se trouve autour du tronc. Donc vont apparaître des pousses tout le long du tronc, qu'on appelle souvent des gourmands, alors que moi j'ai rebaptisé suppléant, parce que gourmand c'est un peu péjoratif, c'est même très péjoratif et très négatif, alors que suppléant, on comprend, c'est plus explicite. Alors il y a des suppléants qui apparaissent, c'est la petite flèche rouge en bas, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'en 1906, il y avait une technique traditionnelle utilisée dans cette région, également en France, c'est la technique d'émondage qui consistait à couper tous les suppléants le long du tronc pour en faire du bois de chauffage, voilà, pour les animaux, etc. Donc pour l'instant, cet arbre, il se dégrade au niveau de son houppier et les suppléants sont coupés régulièrement. 1920, la technique d'émondage est émondée, donc les suppléants, on les voit cette fois-ci sur le tronc, avec deux zones. La zone la plus basse, les suppléants ne sont pas très développés parce qu'ils sont mangés régulièrement par le bétail. Et la zone au-dessus des animaux qui correspond à des suppléants qui se développent librement. Le houppier se clairsème. 1950, eh bien, le processus est engagé, le houppier se dégrade de plus en plus en hauteur et les suppléants, cette fois-ci, se développent librement puisque le bétail n'est plus là. Et vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans cette population de suppléants. C'est une petite forêt le long du tronc. Les suppléants de la base se développent plus que ceux du sommet. Ça, c'était 1950. 1980, le houppier d'origine est tombé. Les suppléants se sont développés de façon très importante et se sont organisés pour former un deuxième houppier, un nouveau houppier en dessous du précédent. Et 2008, le houppier, l'arbre continue à se développer et une nouvelle cime se met en place, c'est-à-dire qu'il prend un petit peu de hauteur. Et finalement, si on ne connaît pas l'histoire de l'arbre, face à un arbre comme celui que vous avez à droite, vous allez dire, bah, c'est un arbre qui s'est toujours développé en milieu ouvert. Il s'est développé dans une prairie. Et effectivement, en plus d'un siècle, il s'est complètement métamorphosé. Il n'a pas pu se déplacer et retrouver la forêt. Donc, il s'est métamorphosé pour s'adapter à son nouvel environnement lumineux. C'est donc un événement dans la vie d'un arbre. Et l'arbre, il lui faut un certain temps, donc 100 ans et plus, pour s'adapter. Alors je vous propose maintenant de faire une petite hypothèse. Supposons que cet arbre-là ne soit pas développé librement en Angleterre, mais dans un petit parc, dans une petite ville ou à Toulouse, peu importe. Que se serait-il passé? Eh bien, c'est sûr, il aurait été abattu. Il aurait été abattu pour différentes raisons. Différentes mauvaises raisons. La première mauvaise raison invoquée aurait été de dire, écoutez, cet arbre, en 1906-1920, vous voyez qu'il se dégrade, il est dépérissant, et il va mourir. Et en plus, on sait qu'il va mourir parce qu'il se couvre de gourmands. Parce que dans beaucoup de manuels, les gourmands sont responsables du dépérissement, alors que c'est tout le contraire. C'est les suppléants qui vont permettre à l'arbre de s'en sortir. Donc, première chose, encore aujourd'hui, on va dire, en 1920, écoutez, cet arbre n'a pas d'avenir, on va le remplacer par des jeunes. Et on va augmenter on va atteindre les 100 000 arbres qu'on s'est fixés au départ. Deuxième mauvaise raison aurait été de dire, c'est un arbre qui fait une descente de cime, vous voyez. Alors, je vais reprendre un petit peu. Là, vous aviez, on peut dire, un état de stress, de désorganisation. Ici, la descente de cime, c'est-à-dire que la cime d'origine descend, un deuxième houppier se forme, et ensuite l'arbre est sain. Lorsque les arbres expriment une descente de cime, il y a beaucoup de... Enfin, on dit encore souvent, il est encore enseigné, que descente de cime égale dernière étape de la vie d'un arbre, égale sénescence de l'arbre. D'ailleurs, l'arbre a poussé en hauteur, phase d'expansion, et puis c'est suivi par une phase de régression. Alors, philosophiquement, c'est joli, c'est un peu un cycle. Je monte, puis ensuite je descends, et éventuellement... Un suppléant du bas peut s'enraciner et c'est reparti pour un cycle. En réalité, cette phase de régression, descente de cime, ne se situe pas à la fin de la vie d'un arbre. Elle peut s'intercaler entre un arbre jeune et un arbre adulte, entre un arbre adulte et un arbre mature, mais cette capacité de complètement se transformer, elle décline au cours du temps
et elle n'est plus possible lorsque l'arbre est arrivé au bout de son développement. Donc, descente de Sims, ce n'est pas du tout synonyme de sénescence. Au contraire, un arbre qui fait une descente de Sims, c'est un arbre qui est suffisamment jeune pour pouvoir exprimer cette métamorphose. Mais certainement, on aurait, et on l'a déjà fait dans le passé de nombreuses années, on aurait abattu cet arbre en disant « il est arrivé au bout du rouleau, il est sénescent, il n'a plus d'avenir ». Alors que, je vous rappelle, c'est un arbre adulte. Troisième mauvaise raison qu'on peut comprendre, en 1950, il y a du bois mort en tête. Et donc, risque de chute, donc dangerosité de l'arbre. Et il y a des arbres qui sont coupés rien que pour cette raison. Alors que vous voyez bien que le côté dangereux de l'arbre, finalement, correspond à une zone qui ne va pas durer très longtemps. Et puis qu'il y a plein d'autres moyens de sécuriser un lieu sans toucher à l'arbre. Et qu'en plus, le bois mort a un rôle très important en termes de biodiversité. Et puis, quatrième mauvaise raison, qui est encore évoquée aujourd'hui, c'est qui s'applique à cet arbre-là, certainement. L'arbre est creux. Probablement, il est creux, cet arbre. Et s'il est creux, il est malade. Alors, il y a cette relation de cause à effet qu'on entend et qu'on lit souvent. Il est malade, donc il est creux. Mais tout ce qui est à l'intérieur d'un tronc, ne sert pas à la vie biologique de l'arbre. La sève, les sèves circulent juste sous l'écorce et un arbre peut vivre en étant creux. Il peut être plus dangereux, mais tout ça, c'est à regarder. Ce n'est pas une raison suffisante pour abattre un arbre. Alors, le temps de l'arbre est long et nous, on est pressés. C'est tout de suite. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le temps des arbres? Pour répondre à cette question, je serais obligé de faire la distinction entre croissance et développement. Alors, Astérix, lui, il a trouvé la solution en traitant des glands avec de la potion magique. Il accélère le temps, ça c'est sûr. Alors c'est une petite BD qui est connue. Elle fait sourire, mais finalement, je me dis que finalement, c'est du bon sens. Si on enlève la potion magique, la meilleure façon d'avoir un arbre qui pousse vite, un arbre qui vivra longtemps, un arbre qui sera solide, c'est de faire comme Astérix, c'est-à-dire de partir d'une graine, d'un gland, de le planter dans un sol vivant, un sol forestier, c'est un sol vivant, et dans un endroit où on sait que ce gland pourra pousser, puisqu'il y a déjà des chênes qui sont sur place. Donc finalement, ça fait sourire, mais finalement, il n'y a pas mieux pour avoir des arbres. Alors, croissance et développement. La croissance, c'est l'augmentation d'un caractère, donc la hauteur. Quand on fait des mesures de hauteur, les forestiers en font tout le temps, ou de diamètre, on mesure la croissance. Ça donne une idée de la vitesse de croissance, mais pas de la vitesse de développement. Parce que le développement, c'est l'apparition d'un nouveau caractère. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie d'un arbre, eh bien, c'est une étape dans son développement. Par exemple, là, il y a du bleu. C'est une nouvelle catégorie d'axes. C'est un événement. Ça marque quelque chose. L'arbre ne le fait pas tout de suite. Un deuxième événement, ça va être une troisième catégorie d'axes. Tout ça, c'est programmé, c'est endogène, c'est prévisible, c'est programmable. Et ça fait partie du développement et on peut, comme ça, définir des étapes. Et bien, une autre étape très importante qu'on appelle la réitération, qui est la répétition de l'unité de départ qui se retrouve répétée une première fois. Donc ça marque la fin de l'édification du tronc et le début de la construction du houppier. Le houppier va se construire en mettant en place des fourches. Finalement, on a des fourches, une première fourche ici. Puis ensuite, on aura une deuxième fourche. Il y aura des vagues de fourches successives et le houppier va se construire de cette façon. Alors, comment faire pour augmenter la vitesse de croissance et de développement d'un arbre? Augmenter la vitesse de croissance, on a réussi. Il suffit d'apporter des engrais, N, azote, P, phosphore, K, potassium. Quand on apporte de l'engrais, quand on apporte de l'eau, on augmente la croissance. C'est-à-dire que cet arbre, au lieu d'avoir cette hauteur-là, il aura cette hauteur-là. On peut avoir une hauteur comparable à un arbre qui est à un stade de développement plus avancé, alors qu'on est au stade de développement précédent. Donc c'est un peu une illusion. On pense qu'on gagne du temps, alors qu'en fait, on ne fait qu'allonger
à un stade de développement grâce à l'apport d'engrais. Alors, il y a des inconvénients à abuser des engrais. Il y a deux cercles vicieux qu'on peut associer aux engrais, et puis un troisième inconvénient. Premier cercle vicieux, c'est que si j'augmente la croissance, en fait, on va augmenter la croissance en hauteur, et ça va se faire au détriment de la croissance en épaisseur. Donc on aura des tiges qui seront flexibles, pas solides, et ça sera aussi au détriment du développement racinaire. Donc on va avoir des plants qui seront vraiment très fragiles. Et donc, il va falloir les tuteurer. Mais si on les tuteur, on les empêche d'osciller au vent, donc on les empêche de grossir, on favorise encore plus leur croissance en hauteur et au détriment des racines. Donc on est dans un cercle vicieux et on a des arbres très fragiles mécaniquement qui, lorsqu'on enlève le tuteur, peuvent se casser en deux. Deuxième chose, c'est que comme l'arbre pousse moins en grosseur, il y a moins de bois, donc il stocke moins de réserves. S'il a moins de réserves, il sera moins résistant aux maladies, aux sécheresses, au gel, etc., au manque d'eau, etc. Et il y a un deuxième cercle vicieux. Lorsque vous abusez d'engrais, la conséquence est une diminution des champignons qui sont associés aux racines, qu'on appelle les mycorhizes, ces champignons indispensables à l'arbre. Leur population va diminuer si on apporte beaucoup d'engrais. Et le résultat, c'est que les racines seront moins performantes pour absorber les éléments minéraux du sol. Si ces racines sont moins absorbantes pour absorber les éléments minéraux, il va falloir rajouter de l'engrais. C'est ce qui se fait en pépinière. Et donc, il y aura encore moins de champignons. Et là, on retombe avec les défauts précédents, c'est qu'avec moins de champignons, la plante est moins résistante. Donc, on peut augmenter la croissance, mais vous voyez que, un, ça ne permet pas de passer à l'étape du développement suivant, et deux, on a énormément d'inconvénients. Il y a aussi une autre technique qui donne l'illusion d'accélérer le temps, c'est la taille. Si je taille un jeune arbre, dans beaucoup de situations, l'arbre réagit en mettant en place plusieurs axes qui vont essayer de remplacer ce qui a été coupé. Et bien souvent, aucun axe prend la dominance, donc il y a une fourche qui s'installe. Voilà une fourche. Alors cette fourche-là, pour celui qui ne connaît pas les arbres, on peut la confondre avec cette fourche ici qui marque la fin de l'état de jeunesse et le début de la construction du houppier. Alors qu'en fait, c'est un artefact, on va dire. Et en plus, ce n'est pas du tout le même type de fourche. Ici, c'est une fourche fragile, alors qu'ici, c'est une fourche solide. Ici, la dynamique, c'est d'explorer l'espace à gauche, à droite, dans les 3D. Ici, la dynamique, c'est de remplacer ce qu'on a supprimé au milieu. Donc, ce n'est pas du tout la même fourche et ça pose des problèmes pour l'arboriste ensuite. Donc, on n'a pas réussi le moyen d'accélérer le développement, en tout cas en termes de développement, en termes d'ontogenèse de l'arbre. Au niveau de la croissance, on peut agir. Autre question relative au temps, le temps des arbres a-t-il une valeur? Pour répondre à cette question, je vais aborder plusieurs fonctions de l'arbre. La biodiversité, capter le gaz carbonique, dépollution atmosphérique, température et érosion des sols. Pour la biodiversité, dans notre organisme, on ne mesure pas la biodiversité directement, on la mesure indirectement en dénombrant les niches écologiques, les habitats et même les petits habitats liés aux arbres. On appelle ça des dendromicro-habitats. On a dénombré 47 dendromicro-habitats, donc des petites niches où on sait qu'elles sont favorables pour abriter, pour héberger de la biodiversité. On a dénombré 47 et on les regroupe en familles. Et on a 15 familles. Alors voilà ce que c'est les dendromicro-habitats. Vous voyez, c'est des petites, ça peut être des petites ouvertures, ça peut être des plantes épiphytes, des fourches, des chirures, etc. Tous ces avant on disait des défauts. Tous ces défauts, finalement, hébergent de la biodiversité. Alors, on a défini 15 groupes. Là, on a le groupe qui correspond aux loges de pic, avec différents types de dendromicro-habitats, etc. Alors ça, c'est très précieux, parce que ça nous donne une bonne appréciation de la capacité d'héberger de la biodiversité.
Tous les résultats qu'on a pu faire montrent que seuls les gros arbres portent toute la diversité dendro-micro-habitat dans un contexte. Alors là, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. On va regarder ce graphique à gauche. En abscisse, vous avez le nombre d'arbres, 0, 20, 40, etc. En ordonnée, le nombre de groupes de dendro-micro-habitat, donc il y en a 15 en tout, et là, ça va jusqu'à 8. Et les courbes, toutes ces courbes-là correspondent à des arbres feuillus, et les courbes correspondent à des classes de diamètre. Donc, par exemple, cette classe correspond au diamètre supérieur à 30 cm. Celle-ci supérieure à 45 cm, celle-ci supérieure à 65, etc. Si je m'intéresse aux arbres dont le diamètre est compris entre 30 et 45 cm, je vois que 70 arbres suffisent pour dépasser 5 groupes de dendro-micro-habitat. Si je m'intéresse aux arbres qui font plus de 90 cm, il m'en faut 10 pour avoir la même biodiversité. Pardon. Est-ce que c'est clair? Et à droite, c'est le cas des résineux. On peut faire le même exercice, c'est-à-dire prendre cette même valeur de groupe de dendro-micro-habitat et regarder à quoi ça correspond. Là, pour les diamètres compris entre 30 et 45, il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut pratiquement 300 arbres. Donc les résineux, dans la globalité, abritent beaucoup moins de biodiversité que les feuillus. Mais ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous avez un arbre supérieur à 90 cm, ce n'est pas du tout la même chose qu'un arbre ayant un diamètre beaucoup plus petit. Pour le CO2, il y a une idée reçue qui circule beaucoup, qui consiste à dire que seuls les arbres jeunes qui poussent beaucoup captent du CO2. Alors c'est vrai qu'ils captent du CO2, mais ils en captent beaucoup moins que les gros arbres. L'augmentation en biomasse aérienne d'un gros arbre, 100 cm de diamètre, est 3 fois supérieure à celle d'un arbre qui fait 50 cm de diamètre. Donc, pourquoi? Mais parce que sa canopée, sa surface foliaire est beaucoup plus importante et que sa photosynthèse, même si les feuilles sont plus petites, il y en a beaucoup plus, est beaucoup plus performante. Une autre façon de l'exprimer, cet arbre de 100 cm de diamètre augmente sa biomasse aérienne chaque année de l'équivalent d'un jeune arbre entier de 10 à 20 cm de diamètre. Alors ça, un arbre stocke beaucoup. Et quand on coupe un arbre, et surtout un arbre en ville, un arbre qui ne sera pas utilisé, réutilisé sous forme d'ameublement, de bois de construction, etc., c'est une perte en CO2. Abattre un chêne pédonculé, par exemple, de 150 ans, c'est libérer dans l'atmosphère 1,5 tonne de CO2. Et je n'ai pas comptabilisé là-dedans le CO2 qui correspond à l'utilisation des tronçonneuses, du transport, etc. Donc, abattre un arbre, c'est libérer du CO2. En ce qui concerne les polluants atmosphériques, les arbres agissent de deux façons. Ils interceptent de façon temporaire les particules sur leurs feuilles. C'est temporaire parce que ces particules vont finir par tomber un jour. Et par contre, ils fixent définitivement à l'intérieur de leur organisme des polluants via des ouvertures sur les feuilles qui s'appellent les stomates. Et là aussi, l'effet d'un gros arbre n'est sans commune mesure avec un petit. Les concentrations en particules de l'air peuvent être réduites de 7 à 24% à proximité immédiate d'un arbre. Et là, écoutez bien, les arbres sains de grande taille éliminent environ 60-70 fois plus de pollution atmosphérique annuellement que les arbres sains de petite taille. Donc ce n'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 70 fois plus. La température, les arbres agissent sur la température de deux façons, avec l'ombre et l'eau qui se trouvent évaporés et transpirés. Et là aussi, les espaces urbains avec des arbres anciens peuvent être très efficaces, baisse de 2 à 3 degrés de la température. Et cette température peut baisser même dans un rayon de 400 mètres autour de certains parcs. Et c'est ce que les villes recherchent. On parle maintenant d'îlots de fraîcheur, on cherche des îlots de fraîcheur.
La lutte contre l'érosion des sols, la fertilisation des sols, la lutte contre les inondations, tout ce qui est lié au sol, c'est forcément lié aux racines. Alors pour les racines, comme pour la partie aérienne, il y a différents stades de développement. Je ne parle pas de croissance, on est dans le développement. Première étape, l'arbre jeune, il met en place un pivot racinaire issu de la graine avec quelques racines en surface. Deuxième étape, les racines en surface vont réitérer leur propre architecture, un peu comme le houppier qu'on a vu, en mettant en place des fourches. Donc la surface est explorée de façon optimale. Troisième étape, chez certaines essences, vous avez en plus, alors c'est une vue aérienne, en plus des racines qui explorent la surface ici, entre ces racines, d'autres, de nouvelles racines qui s'intercalent. Et vous avez un maillage de racines très important. Ces racines finissent par se souder, d'ailleurs, souvent. Et vous avez ici une optimisation extraordinaire de l'occupation de la surface et un renouvellement des racines fines très important. Et puis la dernière étape de la vie d'un arbre au niveau de sa partie cachée, c'est la mort des extrémités des pivots et un déclin du renouvellement des racines. Donc la période la plus favorable à la lutte contre l'érosion des sols, c'est celle-ci, c'est celle où vous avez un maillage très important du système racinaire. Là, le sol, il est emprisonné dans les racines. Il suffit de regarder les berges du canal du Midi. Quand un platane est abattu ou qu'il est supprimé, vous avez la berge qui s'écroule. Alors, quand on résume ces différentes fonctions dans ce tableau, eh bien, vous voyez que, aussi bien en termes de biodiversité, séquestration du CO2, fertilisation des sols, lutte contre l'érosion, régulation des inondations, diminution de la pollution de l'air, climatisation, c'est l'apogée est atteinte lorsque l'arbre est mature. Donc lorsque l'arbre a développé un houppier, il a atteint son maximum de volume. Et l'arbre jeune, finalement, il séquestre un peu de CO2, mais moins que les très gros. On pourrait rajouter d'autres choses. On pourrait rajouter la beauté des arbres, etc. Après, c'est subjectif. Un arbre qui est planté dans un parking de supermarché, qui a ce diamètre-là, qui n'a pas de branches, moi, je ne le trouve pas très beau. Un platane majestueux, mature, c'est autre chose. Toujours est-il que, pour résumer ce que je viens de dire d'une autre façon, on peut dire que remplacer un arbre adulte, un arbre mature par des jeunes, ce n'est pas une opération blanche. C'est un investissement, peut-être, mais ce n'est pas une opération blanche parce qu'on est perdant au niveau écologique, ça c'est sûr. Et donc ça fait des mécontents. Mais on est perdant aussi au niveau économique parce qu'un arbre vieux, ça ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas à l'arroser. Vous n'avez pas à apporter des engrais. Vous avez simplement de temps en temps un diagnostic pour voir s'il n'y a pas des risques de rupture de branches, quelques branches mortes à enlever de temps en temps. Et encore, ça dépend. Ça dépend du contexte où ils se trouvent. Alors que les jeunes, eh bien, au départ, il faut acheter le plan, ensuite il faut le transporter, ensuite il faut le planter, ensuite il y a toute une protection à mettre en place, un suivi, un arrosage, une taille de formation, parce que sinon il va faire des branches à 50 cm du sol, etc. Donc c'est très coûteux. Cessons de tuer le temps des arbres parce qu'on en est là aujourd'hui. On n'arrive pas à accélérer le temps, mais on le raccourcit, ça c'est sûr. Combien de temps peut vivre un arbre ? À l'état d'individu, c'est-à-dire je mets de côté les arbres qui se multiplient végétativement et qui deviennent des colonies. C'est un peu à part ça. Le magnolia de Purpan à Toulouse, c'est une cathédrale, c'est une colonie. Il est potentiellement immortel parce que quand le centre meurt, vous avez tous les arbres qui ont marcoté autour qui continuent à vivre. Non, là, je parle d'un arbre individu avec un tronc unique. Voilà. Donc, les espérances de vie varient selon les essences. Mais bon, voilà, on est au-dessus de 100 ans, même pour le peuplier. Maintenant, combien de temps vit un arbre réellement lorsqu'il est en ville, lorsqu'il est en parc, etc. Là, c'est l'espérance de vie d'un homme, 80, 85 ans, selon qu'on est un homme ou une femme. L'espérance de vie d'un arbre est inférieure à celle d'un homme aujourd'hui. On est vraiment dans cette réalité contre nature qui est choquante, à mon sens.
c'est que la durée de vie moyenne d'un arbre à Paris, par exemple, est de 60 ans. On pourrait se dire en forêt, un arbre vit plus longtemps, mais non. Dans le Tarn, dans les montagnes noires, les Douglas sont abattus à 60 ans aussi. Les pins maritimes en Aquitaine, ils sont abattus à 40 ans. Il y a même des plantations qui sont abattues à 20 ans. Donc, on ne laisse pas les arbres vivre. C'est clair, on les abat avant pour des raisons économiques ou parce qu'on ne sait pas les garder. Alors, justement, pourquoi ils vivent si peu longtemps? Il y a plusieurs raisons. Alors, on pointe du doigt beaucoup le climat en disant que c'est le climat qui fait mourir les arbres. Alors, il y a une part de vrai quand même, hein, et il faut s'attendre à un dépérissement des arbres. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a, en ville, certainement, la raison numéro un, ça va être la sécurité du public, l'obsession du risque zéro. Un arbre, c'est dangereux, alors que c'est moins dangereux qu'une voiture. Mais bon, on veut le risque zéro. On veut des arbres, mais pas de risque. On veut des arbres, mais pas de fruits. On veut des arbres, mais pas de feuilles, etc. Donc là, il y a un problème de cohabitation avec les arbres. Et puis, il y a l'autre problème, c'est l'aménagement à court terme de l'espace. C'est-à-dire que telle équipe décide de faire une place ici avec telle fonction, un marché au vent, etc. Et puis, 10-15 ans plus tard, on change complètement de fonction de cet espace. Et donc, les arbres n'ont plus leur place et ils vont faire les frais du changement de fonction de ces espaces. Il y a aussi une forme de sacralisation de l'arbre, c'est-à-dire qu'on considère qu'un arbre, finalement, a besoin de rien pour vivre. Un peu d'oxygène grâce à la photosynthèse, un peu d'eau. Alors que c'est un être fragile. Ben, on le sait, puisque finalement, son espérance de vie est inférieure à la nôtre. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la formation hétérogène des professionnels. L'appellation paysagiste, par exemple, n'est pas une appellation protégée. N'importe qui ici peut s'installer et mettre paysagiste. Alors que l'équivalent n'existe pas pour une infirmière. Je ne peux pas mettre infirmière parce que j'ai acheté une seringue. Vous achetez une tronçonneuse, vous pouvez mettre arboriste. Ce n'est pas protégé. Et donc, il y a des professionnels qui ne sont pas formés. Ceci dit, moi, je voudrais plutôt insister sur le fait que les professionnels dignes de ce nom qui ont suivi une formation reconnue par l'État sont des gens extraordinaires, qui adorent les arbres, qui se forment tout le temps en biologie, en technique de grimper, en biomécanique, en matériel, etc. etc. Donc ce sont vraiment des gens, c'est eux dont dépend l'avenir de nos arbres. Alors ces professionnels s'associent souvent dans des associations. La plus ancienne, c'est Sequoia, qui a été créée en 1992. Donc, il y a une charte de qualité, de respect de la vie des arbres. La Société française d'arboriculture, une autre association qui met en avant le respect de l'identité biologique des arbres. Le GKO, le groupement des experts conseils en arbres d'ornement, c'est-à-dire ceux qui vont faire une expertise avant de proposer des travaux. Il y a des associations, l'Association des arbres remarquables de France, qui s'intéresse aux arbres les plus remarquables. Tous les arbres sont remarquables, mais on s'intéresse aux arbres les plus remarquables. La FAC, Madame Crassac nous en a parlé. Arbres et paysages d'OTAN, ça a été présenté. Mon organisme aussi. Bon, tout ça, c'est positif. Le maillon faible, ce sont les élus. Les élus qui ne connaissent pas l'existence de toutes ces associations, on ne peut pas leur faire le reproche, c'est rarement leur métier, ils n'ont pas été formés pour. Mais c'est dommage parce que ce sont souvent eux qui prennent les décisions finales. Et donc là, il y a certainement un levier, un moyen d'action pour protéger les arbres, c'est d'atteindre directement les élus. Pas simplement leur faire une petite plaquette d'information. D'ailleurs, les élus, c'est extraordinaire. Moi, il m'arrive souvent d'intervenir dans ce genre de manifestation et les élus sont invités. Bien. Ils font un discours au début et ils s'en vont. Donc, ils n'écoutent jamais. Ou alors, on fait chacun nos interventions, on parle de l'arbre et ils arrivent à la fin. Ils n'ont entendu personne, ils arrivent, ils font la synthèse de quelque chose. Je trouve ça incroyable. Donc, il faudrait vraiment s'adresser à eux, les forcer à assister à des formations, des sensibilisations pour qu'ils comprennent qu'un arbre, eh bien, c'est complexe, c'est aussi complexe qu'une voiture, c'est sans doute plus complexe qu'une voiture. Ça permettrait de leur présenter le cadre juridique dans lequel, qui concerne les arbres, et notamment un article, l'article L353, je pense que Thomas Braille nous en parlera
beaucoup plus par la suite. Mais c'est un article qui est récent, 2016, et il n'est pas connu. Et puis, quelquefois, il est connu, mais il est bafoué. Et cet article dit qu'on ne peut pas, ce qui est écrit en gras, le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres, d'une allée ou d'un alignement d'arbre est interdit. Sauf, évidemment, si l'arbre est malade, etc. Et ça, c'est un article qui est très peu respecté. Et c'est la raison pour laquelle certains de nos citoyens, comme Thomas Braille, que vous allez entendre par la suite, se trouvent dans l'obligation d'occuper un platane, comme ça a été le cas ici, entre le 29 août et le 25 septembre 2019, pour s'opposer à une décision d'abattage dans la ville de Condom. Bon, il nous en parlera, je pense, par la suite. Mais on en arrive là, c'est-à-dire qu'on est obligé de grimper dans un arbre en face du ministère pour dire cet article il existe et il n'est pas respecté. Je suis comment dans les temps ? Alors, pour finir, quelques diapos. Vous avez un chêne ici qui se trouve en Bretagne. Et voilà, il a triste mine, on va dire. Il y a des branches mortes en cime, des branches cassées. Les structures feuillées, on voit qu'elles ne sont pas beaucoup feuillées. Il y a un déficit foliaire. Donc tout ça, forcément, invite les professionnels à regarder l'arbre de plus près pour savoir ce qu'il va faire. Est-ce que c'est un arbre qui est arrivé au bout du rouleau ? Est-ce que c'est un arbre sénescent ? Est-ce que c'est un dépérissement que l'arbre est capable de surmonter naturellement ? On a la réponse ici. À droite, vous avez le même arbre, 74 années plus tard. Il n'y a eu aucune intervention. Et vous voyez que des petites structures anodines comme celle qui était là, ce sont ces suppléants qui sont responsables de la résilience du houppier. Et je pourrais développer cet aspect-là parce que ce que j'appelle suppléant, ex-gourmand, ça a un rôle au niveau de l'architecture, mais ça a un rôle aussi très important au niveau de la consolidation mécanique de l'arbre. Alors, ces deux photos nous interrogent parce que on se trompe, tout le monde se trompe lorsqu'on fait en diagnostic un état d'un arbre, on se trompe. Mais quand on se trompe, généralement, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire par excès de pessimisme. Tous, on est comme ça, on ne fait pas confiance en l'arbre, et donc la plupart du temps, face à un arbre comme celui que vous avez à gauche, on va dire, non, il est trop dangereux. Bon, non, il ne va pas s'en sortir, etc., etc. Et on se trompe. Donc, si j'ai quelques conseils à donner, c'est lors d'un diagnostic, ne pas être induit en erreur par des symptômes parfois passagers. Tout ce qui est déficit foliaire, d'ailleurs, déficit foliaire, c'est une arme de défense lorsque la sécheresse est trop forte, par exemple. Tout ce qui est mortalité de branches, il ne faut pas s'alarmer lorsque vous avez ça dans votre arbre. Conseil numéro 2, ne pas condamner les arbres qui semblent stressés avant de savoir, de connaître leur évolution. C'est-à-dire que si on condamne tous les arbres stressés, on va se priver d'énormément d'arbres potentiellement résilients, qui sont capables d'exprimer une résilience. Donc il faut savoir attendre et voir quelle va être l'évolution naturelle. Autre conseil, lorsque vous avez affaire à un très vieil arbre, moi mon conseil c'est de ne pas le tailler. Il y a plein de façons de prendre soin d'un arbre et la façon la plus efficace est de ne pas le tailler. Et conseil numéro 4, respecter le temps long des arbres, c'est-à-dire savoir attendre, savoir dire on a fait une expertise poussée et on arrive à la conclusion suivante qui est il faut le surveiller, par exemple, le surveiller chaque année, etc. Alors si vous avez le temps, je vous conseille la lecture de ce livre que j'ai écrit en 2016, qui reprend beaucoup d'idées reçues. Il y a des idées reçues qui s'adressent au grand public, comme par exemple, il y a des reçues, tout le monde aime les arbres. Je pense qu'ici, c'est vrai, 100%, mais c'est faux. Tout le monde n'aime pas les arbres, j'en ai la preuve. Et puis, il y a d'autres idées reçues, beaucoup plus techniques, on va dire, dans ce livre. Voilà, je vous remercie. J'ai un temps pour...
On prend un quart d'heure pour quelques questions avant d'enchaîner sur la seconde conférence. Tu y vas, Dora ? Merci beaucoup. Dans le tableau récapitulatif de tout ce que peuvent apporter les arbres en fonction de leur stade de développement, ça pourrait laisser penser que c'est intéressant de planter un arbre mature directement. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Alors ça se fait, hein. Ça se fait. Des arbres adultes, matures, c'est un événement un peu plus, enfin, c'est plus compliqué. On n'a pas intérêt à le faire parce que plus vous plantez gros, plus ce qu'on appelle la crise de transplantation, parce qu'avant de le planter là, il était ailleurs avant, dans une pépinière, où il a fallu le transplanter. Et lors de cette opération, il faut couper les racines. Plus l'arbre est gros, plus vous allez couper de racines. Et ensuite, plus ces racines de gros diamètre coupées, moins elles auront la capacité de se régénérer. Et vous allez avoir un arbre qui ne va pas mourir tout de suite, qui va vivre sur ses réserves pendant 5, 10, 15 ans, mais qui sera dans la capacité de régénérer ce qu'il a perdu lors de ce transfert au niveau des racines. Ça, c'est bien vu. Ça, on le connaît bien. Et il y a un seuil qui a l'air de se révéler général, c'est 4 cm. C'est-à-dire qu'au-delà d'un diamètre de 4 cm pour une racine, la racine produit des racines de réaction, mais ces racines de réaction, même si elles sont nombreuses, sont incapables de régénérer ce qui a été coupé. Donc c'est un arbre qui va survivre, qui va faire le minimum, mais il n'y a plus de développement, il n'y a plus rien, et c'est un arbre très fragile. Donc non, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Une autre question, madame ? Oui, j'aurais une question. Vous avez dit que quand un vieil arbre est abattu, c'est un tonne et demi de CO2 qui est largué. Mais est-ce que c'est une opération blanche ? Est-ce que ça correspond au CO2 que l'arbre a capté de toute sa vie ou pas ? Et si on laisse l'arbre mort, est-ce que ça largue quand même et plus progressivement ? Alors, quand vous coupez un arbre et que vous le brûlez, tout le CO2 qu'il a capté se dégage. Est-ce qu'on a intérêt à le laisser au sol pour qu'il se décompose lentement ? Ou est-ce qu'on a intérêt à l'utiliser comme matériau bois ? Alors les forestiers vont vous dire on a intérêt à l'utiliser comme matériau bois pour les charpentes, pour l'ameublement, etc. parce que tout le bois stocké va rester dans ces matériaux-là. Sauf que dans la réalité, la durée de vie moyenne du matériau bois est de 10 ans. C'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui vivent longtemps et d'autres qui vivent moins longtemps, mais la moyenne est de 10 ans. Si vous laissez un arbre au sol, sa durée de décomposition varie de 30 à 100 ans. Donc, on a intérêt, si on veut repousser le dégagement du CO2 le plus loin possible, de laisser les arbres au sol pour qu'ils se décomposent sur plusieurs siècles. Mais s'il y a des champignons, par exemple, ou d'autres parasites, est-ce qu'on ne fragilise pas le lieu ? Non, parce que les champignons qui concernent les arbres morts ne sont pas du tout les champignons qui vont... Les porcs qui ont envahi l'arbre. Oui. Non, il n'y a pas de doute. Passé un an après la mort d'un arbre, le cortège des champignons sur cet arbre-là ne concerne pas les arbres vivants. Et dans la mesure où, par exemple, cette branche ne s'est pas totalement détachée du tronc, est-ce qu'on doit laisser ce lien ou est-ce qu'on doit... Ah, ça, c'est autre chose. Sectionner. Là, on parlait d'un arbre en entier. Oui. Une branche morte sur un arbre, une grosse branche morte sur un arbre, ça vaut... Chaque cas est... Un arbre n'a pas besoin de nous pour se développer, donc il la perdra à terme. Oui. Maintenant, si cette branche présente un danger, si voilà, vous pouvez la couper, mais... Oui, ça correspond à la quantité absorbée, oui. Ah oui, il n'y a pas... Oui, oui.
Bonjour, merci beaucoup pour ces belles paroles. Je suis Fabrice, moi je suis un grimpeur d'arbres, j'amène du public dans les arbres. Je suis un éducateur sportif et donc j'amène à la découverte des arbres toutes les personnes. Et je suis de Toulouse, j'aime beaucoup le canal du Midi et notamment ses alignements d'arbres. Je suis au courant, alors j'essaye d'échanger avec VNF sur le sujet, sur la santé de ces arbres, notamment les platanes avec le chancre coloré. Je les vois condamnés. Ma question, c'est par rapport à cette plantation monospécifique, cette menace-là, est-ce qu'on a de l'espoir ou est-ce qu'on peut se résigner à se dire ben, aujourd'hui on les a, mais dans 60 ans, ils n'y seront plus? Et derrière cette question, c'est moi, étant donné que j'amène des gens dans les arbres, ces êtres vivants fragiles, quelque part, je suis en première ligne, moi aussi, pour apporter des pathogènes. Donc je sais que sur certaines sessions de grimpe, notamment dans les platanes, on a cherché à désinfecter les chaussures des participants. Ma question est comment je peux faire pour éviter de propager des pathogènes dans cet amour des arbres? Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas la première, est-ce que la menace du chancre coloré est fatale? Merci. Je vais répondre par la deuxième qui est plus facile. Par exemple, le grimper avec des griffes, c'est interdit, ça, depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est susceptible de griffer, de percer l'écorce, ça, c'est sûr qu'il faut l'éviter. Hein. Après, je pense que tout ce que vous faites, c'est bien. Hein. Si vous désinfectez les chaussures, etc., il n'y a pas mieux. Hein. Ne pas oublier une corde autour d'une branche qui risque, etc. Non, il n'y a pas. Je ne pense pas que ça pose de problème. Ouais. Au contraire, si ça peut sensibiliser les gens aux arbres. Et sur le chancre coloré du platane, c'est un champignon qui se propage énormément, par l'eau, par les racines qui sont soudées entre elles, etc. Donc, les mesures qui sont prises, qui sont quand même drastiques, hein, de couper un arbre et couper tous les arbres dans un rayon de 15 mètres, je crois, etc., ne pas planter du platane pendant 10 ans, normalement, ça freine, ça devrait freiner. Donc, j'ai espoir que tout le canal du Midi ne disparaisse pas au niveau de platane. Bonjour, on a beaucoup parlé des arbres, mais moi, dans la région, ici, on a beaucoup de nappes phréatiques. Il semblerait que les sols, par les racines, arrivent à nous nettoyer les nitrites qui sont dans l'eau, qui ont été déversés par l'agriculture depuis 50 ans. Est-ce vrai? Oui, les racines des arbres ont une action dépolluante sur l'eau, ça c'est sûr. Et des grandes compagnies comme Evian et d'autres investissent pour protéger des forêts sur les bassins versants. Il y a une plus-value, c'est assez connu, il y a des travaux là-dessus. Oui. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Encore deux, et puis on passe à la seconde conférence. Très rapide. Est-ce que je sais que les câlins, faire des câlins aux arbres se développent. Est-ce que ça abîme l'arbre en tant qu'humain de faire un câlin aux arbres? J'ai pas entendu le début. Ah! Est-ce que les câlins abîment les arbres? Si les arbres ne vous abîment pas, c'est l'idéal. Non, ce qui peut abîmer, c'est si tous là aujourd'hui, on se déplace tous au pied d'un arbre, on va piétiner le sol. Et le piétinement, ça, c'est pas bon, ça, c'est sûr. Mais une personne individuelle qui se met sur l'écorce d'un arbre, non, c'est pas. Moi, je suis comme beaucoup de gens, je pense, atterrée de voir la coupe drastique des arbres qui est faite sur les alignements en ville, etc. J'aimerais savoir s'il existe
un mouvement de citoyens pour, parce que moi j'essaye de le faire de façon personnelle, mais de sensibiliser les gens à ça, enfin surtout les élus, mais tout seul ça fait pas grand chose. Donc j'aimerais savoir s'il existe une organisation, une association qui essaye de faire quelque chose dans ce sens. Je me permets de passer la parole à Thomas, juste deux secondes. Ah oui. Oui, oui, ça existe. Il y a des associations comme Sequoia, par exemple. Le meilleur moyen de convaincre des élus, c'est de trouver un arboriste grimpeur digne de ce nom qui vous expliquera que lui n'accepte pas tous les marchés. Que une part de son travail, c'est de convaincre celui qui lui demande de massacrer un arbre que ce n'est pas la bonne solution. Ça, c'est un vrai professionnel. Et si vous invitez quelqu'un comme cette personne-là, face aux élus, il expliquera. Il expliquera que lui refuse de gagner de l'argent lorsque ça ne correspond pas au respect d'identité vivante des arbres. Et il y a des gens, ces gens-là existent, hein. Il faut les connaître. Bon, ceci dit, c'est un vrai problème, la question que vous posez. Je vais passer la parole à Thomas. Oui, alors, juste rapidement, mon métier c'est grimpeur arboriste, donc je peux répondre à cette question parce que on est souvent confronté à des élus, parfois, qui en savent plus que nous, plus que notre travail. C'est compliqué. Il y a une manne financière, aussi économique, dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tailles, ce genre de tailles-là aussi. Nous, on est en train de travailler au ministère pour que tout ça s'arrête. Pour moi, un arbre, on doit planter le bon arbre au bon endroit. Déjà, c'est la priorité. Des platanes qui font 52 mètres parfois en taille adulte, pour les avoir grimpés, je peux vous assurer que ça fait très haut. On voit les voitures toutes petites d'en haut. On se retrouve avec des arbres qui font 10 mètres. Ça, vous le voyez souvent. Moi, j'appelle ça de la taille en porte-manteau. On est en train de travailler là-dessus pour que ça s'arrête. Donc voilà, bon, moi si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ça aussi. Et nous, dans le groupe national de surveillance des arbres, on est en train d'alerter là-dessus. Voilà, il faut savoir que quand on fait ce genre de taille, c'est nous qui créons le pathogène. Si les arbres sont malades par la suite, les spores sont volatiles, hein, Christophe, il pourra vous le dire, les spores se collent.